Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Nouvelle vidéo du vendredi, c'est nouveau sur Fitness Fusion. Chaque semaine maintenant, vous aurez un entraînement le vendredi et aujourd'hui, c'est mon entraînement. C'est une grosse séance qui m'attend là, les gars, donc je vais prendre un peu le temps pour vous parler avant parce que pendant, franchement, ça va être dur. C'est du super set, je vais enchaîner pec et dos avec peu de temps de repos. Voilà, dans 2 jours, c'est les photos, donc faut que je sois prêt. Là, je suis à jeun en plus que je vais faire cette séance. Enfin, je vais vous montrer ce que je vais manger. Juste avant, on a reçu nos colis QNT. Je voulais vous les présenter, on le fait pas souvent sur Fitness Fusion. Donc il y en a un pour Pimousse, un pour moi, je vais aller lui ramener là d'ailleurs, on va aller le chercher. Désolé pour la lumière qui fait un peu sombre ici. Je vous montre juste 2-3 trucs qu'on a pris, je vais pas ouvrir les deux. Ça je crois que c'est à Pimousse, les petits cookies QNT. Moi je prends toujours le lait là, QNT il est super bon avec un petit sandwich de beurre de cacahuète. Les barres protéines, et il y a aussi la gamme vegan que Pimousse a voulu tester. Donc 15 grammes de protéines, et c'est pas sucré en fait, c'est pour ça qu'il voulait essayer vu qu'on en sèche. Donc voilà les gars, si vous voulez soutenir, c'est moins 20% avec le code Fitness Fusion, vous le savez. Et aussi on a un nouveau partenariat Iron Meal, je fais la pub parce qu'on a besoin de manger gratuit toute l'année les gars, franchement c'est un plus. Nous on est toujours dans le speed, Pimousse et moi, et là on met ça 3 minutes au micro-ondes, et c'est prêt. C'est des plats frais, de qualité, la viande elle est bonne, vous sentez qu'elle est bonne. On avait pris un peu de tout pour goûter, 43 grammes de protes les gars, 34 grammes de carbs. Pour notre diète, nous c'est parfait. En tout cas ça m'a sauvé en fin de sèche, j'en avais marre de manger toujours la même chose. Donc on leur demande rien en contrepartie, pas de salaire ou quoi, vous savez des fois ça se passe comme ça avec les marques. Juste on veut manger gratuit, donc ça nous plaît énormément. On vous conseille si vous avez les moyens les gars, avec le code FITNESSFUSION d'ailleurs vous avez moins 25%, n'hésitez pas, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Pimousse il fait sa séance avant de me filmer à chaque fois. On va prendre un peu ça pour congestionner quand même. À la fin de séance, je vous montrerai la shape bien énervée. C'est la fin des haricots. Avec quel code on peut se procurer ce genre de produit magique? Gros, toute intro, j'ai abusé, d'accord? Donc là, je pense qu'on peut arrêter les placements de produits. C'était télé-shopping, télé-achat ce matin, là, chez moi. Il est parti. J'aurais été tout Iron Meal, QNT. Mais les gars, on est content, on a commencé, on avait rien. On avait 0 abonné, 0 sponsor. Mais là, ça commence à rentrer, on est content. Mais franchement, je les ai saoulés. Même moi, je me suis saoulé. T'as pas pris de musique? Je vais piquer ton casque. T'as pas ton casque? Tu mets de la transpi dessus, je te le prête non, pas. Non, ça va, je te le prête pas. Mais t'es sérieux? Tu vas mettre de la transpi dessus, ça va me dégoûter. Je vais faire du super set, j'ai vraiment besoin de musique. Force à toi. C'est pas bien. Si, si, c'est bien. Moi, je sais pas bien. Vous avez vu comment il est, cousin? Il est fou. Ce qui est à toi est à moi, normalement. T'as une transpiration de chameau en plus. Ah, c'est ça. T'as même pas transpiré, tu sens déjà. T'as repris un peu des cuisses, hein, niveau gab. Ah, je les refais sérieusement. D'ailleurs, prochaine séance, ça serait une séance cuisse, les gars. Ça se voit dans ton survêt, tu le remplis bien. Mais évite de filmer mes cuisses, là, c'est mon haut du corps qu'on va mettre en avant. Tu dois te filmer ton cul comme ça, moi j'aime bien. Dis-moi que t'as fini ton échauffement, je t'en supplie. Articulaire, ouais. Maintenant, je vais faire vite fait musculaire. Faire remonter un peu le cœur aussi. Ça un petit circuit. Oh, je fais simple, j'en fais 10 larges, 10 serrés, 10 écartés. Je vais en profiter pour dire aux gens, il faut venir nous rejoindre sur Instagram, Fitness Fusion, Didio Fitness, Pimousse. Il faut arrêter de se toucher, on en a marre d'avoir très peu d'abonnés sur Instagram. Ah, en plus, toi, t'es bientôt à 10K. Mais j'aimerais bien les atteindre à jour. Hein. En plus, on publie des belles photos en ce moment. Donc là, je pars en superset développé, incliné aux haltères, mais pas trop incliné, j'ai fait les épaules avant-hier. En superset avec des tractions. Toujours d'échauffement là? Je me respecte pas. Hein. 22 kilos, c'est. Non, j'ai même pas regardé combien t'as pris, gros, je te jure. C'est vrai. J'ai vu que t'es parti vers là-bas, je me suis dit partir chez les 50. Alter, je suis mort déjà. Et là, on a déjà fait 2 séries de 10 aux tractions. Parce qu'en fait, je veux faire 5 séries de 10, 12 aux tractions et 3 séries au bench avec une charge assez lourde. Comme là, c'est du poids du corps, je suis pas lesté parce que ce serait trop embêtant. Je fais 2 séries de plus pour augmenter le volume d'entraînement. Donc là, on est déjà à 2 séries de tractions et on commence le bench. 42 kilos. Je veux pas prendre des 44 pour la caméra, allez. Non, mais je vais sûrement monter en fait. Ah, ouais, commence à 42. Voilà. Si je vois que je suis à l'aise, je monte. À FP, je fais 42, 46, 50. Moi, je comprendrais jamais cette manière de monter au lieu de descendre les charges. Normalement, je dois commencer le plus lourd possible quand t'as de l'énergie, bah ouais. Et ensuite descendre. Il y a deux méthodes. Moi, ça j'ai du mal à comprendre ça. Ça m'arrive d'alterner.
suis là. Je suis là, je vous parle et tout. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des séances filmées. Quand t'es tout seul, t'es focus sur le moindre jet. Là, je sais que vous êtes là. J'essaie de vous expliquer tout ça. C'est dur, hein. Ah, ce sera plus facile sur un split ou un PPL. Parce que j'enchaîne, je suis KO. Je t'invite au KFC après la séance. Tout va bien. Moi, ça va super. C'est parce que je sais que je peux proposer mieux que ce que je montre actuellement. C'est juste que dès que vous êtes là, je suis perturbé. Je dois interagir avec vous, tout ça. Vous lui faites et je suis pas focus sur ma séance. C'est comme si toi, tu t'entraînes et pendant ta séance, t'es sur ton téléphone en train de textoter un pote. T'es pas à 100%, les gars, ça a arrêté. Donc là, je fais 80, 90 et 100. Donc là, c'est encore léger. Hein. Si on peut aller taper les 15 reps, on y va. C'est dur tout ça. Là, je suis en train d'assurer la séance. Mais quand j'aurai fini, comment je vais être fier de moi? Et la journée, elle sera plus belle. Vous voyez, les gars, au bench, je galère à 90 kg. Or, j'ai un RM à 140. C'est parce que là, on est en fin de sèche. Ma force, elle commence à partir. Je fais des entraînements d'assassins. Et c'est pour ça, c'est aussi pas recommandé de faire ce genre de programme pour progresser. Surtout trop longtemps, en fait. Là, je vais le faire un mois. Il me reste une semaine à faire. Et après, je vais changer parce que mes charges, sinon, elles vont baisser. C'est juste pour être prêt en un minimum de temps. Chercher la sixième. Je voulais, mais c'était suicide encore. Je serais venu à toi à rescousse, hein, j'aurais pas eu le choix. C'est bien le rowing, on peut tricher. Ben, tu peux pas tricher. Fini pour ça, on a fait le plus dur, les gars. Bon, là, je vais enchaîner dips, traction, supination pour taper un peu biceps et triceps. Et maximum de répétitions, on compte pas parce qu'on va pas se lester. Bon, quand je dis mal, je vais pas en faire 50 non plus. Hein. Là, mon but, c'est de faire monter le cardio et travailler un peu les muscles. Plus fort sur les dips que sur les tractions. Ben, c'est logique, t'as vu tes pecs aussi, gros? C'est pas des pecs, c'est des zèzes. Venez rejoindre nos Instagram, Dijo Fitness, Pimo Sigreté. On met des petites photos sympas de dopé, vous voyez. D'ailleurs, on va vous expliquer comment on fait ce genre de photos bientôt. Bien, j'ai char. Hein. Voilà. Et on est bientôt 2000, donc si vous pouvez me faire arriver à 2000, ce serait sympa. Pimous, les gars, 10 000. On a besoin de vous. Hein. On fait plus de 10 000 vues par vidéo. Comme ça, on pourra demander à être payé plus. Ça, c'est mieux. Très bien, mais... C'est pas grave, on maintient le temps de repos, on continue de faire monter le cœur. D'ailleurs, je vous montrerai ma shape après, vous me direz si je suis prêt ou non. Sachant que je serai un peu plat, hein, vous le savez. Ah, aujourd'hui, c'est force, force, force. Hein. Mais de toute façon, c'est ce que vous avez demandé. C'est pour ça qu'on a mis en place les vidéos du vendredi. Donc tous les vendredis 17h, vous avez un entraînement. Une semaine sur deux, c'est moi. Une semaine sur deux, c'est Pimous. Et on s'entraîne vraiment, comme on l'a toujours fait. Bah là, les gars, les deux poulies, elles sont prises. Du coup, je vais faire écarter et oiseau à la poulie. Je vais le faire aux haltères, simplement. Je vous filme pas trop. On va vite se retrouver pour voir la shape. En termes de physique. Si, pourquoi tu dis de France, du monde, t'es le meilleur du monde.
T'as pas vu la vidéo de Marvel sur Ken Fit? Tu trompes Alex, c'est comme ça. Non mais t'as pas vu Marvel, il dit à Ken Fit. En fait, dans tous ses posts, il dit ouais, je suis le meilleur physique natif France. Marvel lui dit, mais si toi t'es nati, t'es pas le meilleur physique natif de France, t'es le meilleur physique du monde, mais dis-le. Il m'a fait rire, l'enfoiré. Mais il a raison. Mais moi je pense que c'est Pimous le meilleur physique natif de France. Même dans la vidéo de The Rob, hein, The Rob il lui dit à Ken Fit, on m'a déjà pris pour un jambon, ouais, mais toi, pas tu à ce point là. Pour un gros jambon. Hein. C'est trop. En fait, c'est quand tu compares Arthur et lui, les deux en compète, c'est pas le même niveau. Mais oui, Arthur, il est naturel, les gars. Ce qui veut dire lui, il faut arrêter. Quand il a séché, il a perdu du volume musculaire. Il y avait moins de pec, il était plus plat, il faisait plus maigre, il était à PDC-7. Mais bon. Ça, tu as des problèmes, on a rien dit. Il a fait tout un travail d'éducation sur l'ancienne génération, la nouvelle, ils sont perdus, les gars. Ouais. Ils viennent tous de TikTok, ils pensent que tout est possible. Les meilleurs physiques, les gars, Bazinga, Pimous, Solid Mike, Gijo, Alex de Bodytime. Alex de Bodytime. Newton, Joe, allez pas chercher plus loin. Je sais pas comment ça rend. Je suis pas bodybuilder, j'ai du mal avec les poses, tout ça. C'est pour ça que je fais un peu une pose de Saiyan. J'essaie de contracter comme ça avec mes bras. Ça, c'est la pose d'Ijo, les gars. Je vais vous voir sur Instagram et ce genre de pose. Au niveau de la séance, c'était dur. Franchement, je suis pas content des perfs, tout ça. Mais au moins, vous voyez qu'on peut pas semblant. Et dans une semaine, je repasse sur un programme un peu plus classique que je vous montrerai en vidéo. Donc, si vous aimez ça, vous activez la cloche, vous abonnez. N'oubliez pas de lâcher le like aussi. Le commentaire, ça aide au référencement. Vous allez retrouver Pimous sur sa séance jambes, c'est ça? Prochaine séance, ça sera les jambes. Donc, vendredi. Et moi, vendredi prochain. Bah, ça sera aussi une séance jambes, les gars. C'est ma deuxième séance de ce programme là. Merci d'avoir suivi la vidéo en entier. Force et fun.